Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hey! Yes! Bon, alors écoutez. Semaine spéciale, hein. Semaine pas évidente, comme vous le savez. Voilà, j'ai envie de faire ce petit hommage à Christophe qui nous a quittés. Que dire de plus? Voilà, on est tous touchés par tout ce qui nous arrive. Et c'est incroyable, voilà. Donc j'espère que de votre côté vous allez bien, vous arrivez à tenir le coup avec ce confinement qui n'en finit pas, mais qui est nécessaire. Voilà. Alors on va chanter, parce qu'il faut chanter. Hein. Il faut garder la pêche, l'énergie, la forme. Déjà, est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vous vois déjà? Je vais voir, je vais regarder si je vous vois. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bien? Hello Johanna! John, salut! Comment est-ce que ça va les amis? Je sais pas quel temps il fait chez vous. Dans le sud, il fait pas terrible. Alors là, il faut que l'été arrive. Il faut qu'on se débarrasse de ce truc et qu'on puisse tous enfin aller dans les parcs et etc. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, il faut tenir le coup pour l'instant. Et en attendant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On mange. Faut éviter, mais bon. On chante. Alors il faut chanter. Il y a une chanson de Pani comme ça qui dit « Je ne sais faire que chanter ». Alors voilà. On essaye de chanter, de partager des trucs. Salut Laetitia. Ah, Laetitia. Alors, qu'est-ce que vous voulez chanter? Dites-moi tout. Alors, moi, je vous ai préparé des petites chansons cette semaine, des chansons que j'avais pas encore chantées pour vous. Par quoi on peut commencer? Ouais, celle-là, elle est sympa. Je vais vous chanter une ancienne nouvelle que ceux qui me suivent depuis peu ne connaîtront pas. Les autres, ils vont peut-être la connaître, mais elle est moins peut-être évidente que les chansons comme « Finalement » ou des choses comme ça. Pourtant, fait partie du premier album. Alors voilà, je vais vous chanter ça. C'est une chanson un peu spéciale qui parle un peu de la spiritualité, de la croyance. Vous allez voir. Pour ceux qui connaissent, elle s'appelle « On raconte ». Et je vais essayer de vous raconter le mieux possible cette histoire. Alors j'ai refait un arrangement actuel, elle était sortie donc sur le premier album. Et on va essayer de faire ça ensemble. Alors déjà si vous arrivez là, c'est déjà coucou à tous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me dire que vous êtes là, que je vous sente un peu. Parce que comme vous le savez, le live, ce qui est difficile, c'est qu'évidemment je vous entends pas. Je peux que vous lire. Alors n'hésitez pas. Hey, coucou Aline. Alors, je peux pas dire à coucou tout le monde parce que des fois je vois pas tout le monde passer. Mais n'hésitez pas, mettez-moi un petit coucou, dites-moi je suis là, voilà. Un petit coup de partage aussi, ça fait plaisir, hein, si vous pouvez partager, comme ça on devient plus nombreux, et on fait plus de bruit, et on chante avec plus de monde, et ça c'est top quand on chante avec beaucoup de monde. On amène plus d'énergie, et voilà. Alors, où est-ce qu'elle en est cette chanson? Est-ce qu'elle se charge? Alors, je regarde tout ça. Tac. Voilà. Alors.
Comme ça, on laisse un peu les gens arriver, là. Je vois que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, le petit texte. Et vous pouvez chanter avec moi, si vous ne connaissez pas. Ce que je vais essayer de faire pour les autres semaines, j'essaierai de mettre les textes en visu pour que vous puissiez m'accompagner. Ça peut être une idée sympa. En incrustation, on peut faire ça. Donc, j'ai pensé plusieurs fois le faire, mais voilà, j'essaye d'amener des petits trucs à chaque fois un peu différents. Alors, c'est parti pour cette chanson qui s'appelle « On raconte ». Et je vais essayer de vous raconter. Il est venu d'un pays avec le soleil, le vent, calme et le regard précis. Avait-il mission, était-il un errant? Et les hommes devant lui, tour à tour, courbaient la tête. Au jour de sa première nuit, se sont levés typhons, cyclones et tempêtes. Et comme pour les laver, les pluies se sont levées. Et l'aube s'est emparée de leur monde de papier. Et comme pour les calmer, l'homme a dit regardez, apprenez et tremblez. On raconte que le soir, près d'un feu brûle sa mémoire. Oui, il traverse l'histoire, s'incarne en ceux qui veulent croire. Et quand l'homme s'en est allé, les déluges l'ont suivi. Dans ses mains l'éternité, dans ses yeux troublants le mystère de la vie. Mille questions à lui poser, tant d'espoir à l'infini, quête de la vérité. L'univers est si grand et nous si petits. Et comme pour les laver, les pluies se sont levées. Et l'aube s'est emparée de leur monde de papier. Et comme pour les calmer, l'homme a dit regardez, apprenez et tremblez. On raconte que le soir, près d'un feu brûle sa mémoire. Ou qu'il traverse l'histoire, s'incarne en ceux qui veulent croire. Près d'un feu brûle sa mémoire. Où il traverse l'histoire et s'incarne en ceux qui veulent croire. Et voilà les amis, c'était On raconte. Alors déjà, qui connaissait cette chanson? Est-ce que certains connaissaient cette chanson? Est-ce qu'ils s'en rappelaient? Attendez, je vais regarder, parce que du coup, je vous ai perdu de vue. Voilà, c'est comme l'émission. Hop là, je reviens. Yes! Alors, dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Attendez, je vous reprends en bas. Yes! Qui connaissait alors? Coucou, je viens d'arriver. Salut, Jess! Ah, on me fait des demandes. Ah, 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 ah. Johanna, salut Johanna. Ah non, tu connaissais pas. Alors n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Vous la connaissiez pas, vous découvrez. Salut Virginie. Laura. Ah moi je l'écoutais encore il y a quelques jours. Merci Laura, merci pour ta fidélité. C'est top. Alors voilà, c'était une petite version. J'ai fait une autre petite version un peu plus... Ouais, bon, elle n'a pas tellement changé finalement. Voilà.
Alors, attendez, hein, parce que j'essaie de voir en même temps les gens qui arrivent en direct. Pierre. Yes, salut Pierre. Pierre qui nous parle de Jérus. Coucou. Merci Jérôme. Jérôme me dit je kiffe. C'est sympa. Yes. C'est cool que vous soyez tous là. Ah, Aurore est fan. Merci, c'est gentil. Ouais, surtout en ce moment, c'est vrai. Oui, il y a Simone qui nous a rejoint aussi. Salut Simone. Ouais. Et bon, bah super. Mika, bon, il commence à y avoir du monde là. Super, salut Mika. Top, top que vous soyez tous là. Bon, n'hésitez pas à faire un petit partage hein, si vous avez aimé. N'oubliez pas que c'est ce qui peut donner un coup de main justement au projet que je fais. Puisque c'est tout bête pour vous, mais voilà, vous faites un petit partage. Et en fait, tout d'un coup, ça ouvre le champ des possibles. Hein. Voilà, donc bah, on va enchaîner avec une autre petite chanson. Alors, de quoi vous avez envie? Donnez-moi des idées. J'ai vu déjà quelques trucs passer là dans les commentaires. Qu'est-ce que je vous ai préparé d'autre? Ah oui, bon, un petit classique. Là, je vais vous faire une autre petite chanson en attendant. Voilà, en attendant que je charge mes petits sons. Hein. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. Comme dit la chanson, parlez-moi de vous. Alors, allez. Je sais qu'il y a des romantiques, alors faut toujours faire les chansons romantiques, ça aide à tenir le coup, c'est super. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Je vous reprends, excusez-moi, de temps en temps je regarde le petit réglage. Ouais, il y a Béatrice qui est là aussi. Salut Béa, il y a des gens qui arrivent là. Tac, 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 tac. Salut Charles. C'est cool. C'est cool. Allez, n'oubliez pas, on doit faire monter. Ce soir, on fait le monter le compteur. On va concurrencer Bob Sinclair. Hello. Bon, bah, c'est cool que vous soyez tous là. Alors, je laisse la chanson se charger tranquillement. Et puis, comme ça, on va chanter une chanson de romantique. Elle arrive, hein, vous inquiétez pas, elle arrive, la chanson. Alors, vous avez vu que ce soir, j'ai fait une petite déco d'image. Hein, vous avez vu, en fait, les gens me demandent souvent où est-ce qu'ils peuvent écouter mes chansons. Alors, j'en profite de ce petit moment de la chanson qui se charge pour vous dire. En fait, sur SoundCloud, pour ceux qui connaissent ce site, c'est un site en fait de streaming où on peut écouter de la musique. L'avantage, c'est que vous avez beaucoup d'artistes qui sont indépendants. Et donc, en fait, vous avez donc des chansons qui n'ont pas été, qui ne sont pas sorties dans le commerce et qui sont souvent sur cette plateforme. Et vous avez les deux, en fait. Vous avez des pros et des indés. Donc, sur SoundCloud, vous tapez Yankel officiel. Et vous avez des chansons que j'ai postées de temps en temps sur Facebook, etc. L'avantage, c'est que la qualité est assez sympa. Vous pouvez écouter comme vous voulez. Vous faites monter le compteur. Vous mettez un petit message. C'est super. Voilà, ça marche d'enfer. Sinon, j'ai également un Insta. C'est le moment pub. C'est le moment, c'est les réclames, comme dirait Arthur. Et sur Insta, j'ai un compte qui s'appelle Yankel Musique, pour ceux qui ne sont pas amis avec moi encore sur Insta. Et d'ailleurs, je vais bientôt mettre en place un live sur Insta. Et alors, l'avantage, préparez-vous, hein, préparez vos voix, c'est que sur Insta, je vais shooter au hasard des gens pour qu'ils fassent bah, soit une petite discute avec moi, ou s'ils ont envie de se lâcher, pourquoi pas un petit duo, ça peut être marrant aussi. Voilà, donc dites-moi déjà vous si vous avez des comptes Insta, si vous êtes fan de réseaux sociaux et tout. En tant qu'artiste, on est un peu fan aujourd'hui pour être connecté aux gens. On est un peu obligé d'être, voilà, d'avoir ça, mais je sais qu'il y a des gens qui sont moins fans. Voilà. Mais Insta est en train de monter énormément et du coup, c'est vrai que c'est sympa de vous retrouver là-bas aussi parce que je peux partager un moment avec vous, vous parler, vous faire parler et échanger. Alors, dites-moi tout. Est-ce que vous êtes prête pour la chanson d'amour? Salut Anthony! Ah, bah c'est super, Anthony, Vanessa et Mam. Ah là là, on est là. Annie est là aussi, c'est super. Salut Annie! Allez, bon, bah alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Quel est ce suspense? Alors, effectivement. Hop, 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 hop. Alors, il y a des chansons comme ça qui sont chansons plus douces, que les gens veulent absolument pas passer en radio parce qu'ils disent c'est pas radiophonique, etc., etc. Et finalement, qui sont des chansons que les gens aiment beaucoup, qui traversent le temps. Et pour moi, cette chanson-là, c'est vrai qu'elle traverse un petit peu. Le temps, elle est un petit peu intemporelle pour les gens et ça me touche beaucoup. Voilà, qu'elle soit rentrée comme ça dans leur cœur. Pourtant, c'est une chanson un peu triste, mais c'est une chanson d'amour. Alors voilà, on est comme ça, on aime tous les chansons d'amour. Hein. On aime bien avoir le spleen. Allez, on y va pour cette chanson qui s'appelle Des bouts d'amour. Mmh.
fois on se trahit, on se fait du mal aussi. D'amour accroché à nos âmes, des morceaux d'existence dans le feu, dans les flammes, des raisons de jeu passion ou bien de simples mélodrames. Oh, des bouts d'amour accrochés à nos larmes, dans nos cœurs, l'impatience sous nos coups, une lame, l'illusion qui nous saisit au ventre comme un mirage charme. On fait semblant, évidemment, on se ment. Quelquefois, on voit trop grand et sur nos joues comme les enfants. Des bouts d'amour accrochés à nos âmes, des morceaux d'existence dans le feu, dans les flammes, des raisons de jeu passion ou bien de simples mélodrames. Oh, des bouts d'amour accrochés à nos larmes, dans nos cœurs, l'impatience sous nos coups, une lame, illusion qui nous saisit au ventre comme un mirage charme. C'était pour les lovers, les spinners. Des bouts d'amour. Hello, Michael. Hello, Michael. Salut. Salut, Fred. Merci beaucoup. Salut, Fred. C'est cool de vous avoir tous là. C'est super sympa. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas lire ton nom parce que les lettres sont en hébreu. J'avoue que je suis un mauvais lecteur. De la langue hébraïque, parce qu'en plus il n'y a pas les voyelles, et du coup je ne peux pas lire ton nom. Si tu veux mettre ton nom en lettres normales pour que je puisse te lire. Merci Charles. Charles me dit belle voix, etc. Virginie, Laetitia. Oh merci Laetitia, c'est cool. Merci Richard. Et en plus Richard qui finit par me dire que c'est magnifique, alors c'est super, je suis au top. Trop content que ça vous plaise, vraiment. Ravi d'être avec vous et j'ai hâte qu'on arrive à mettre en place un live où de temps en temps je peux aussi vous entendre parce que ça me manque de vous entendre. D'ailleurs à ce propos, bon vous savez qu'à un moment donné, Elati, super, ben voilà, salut Elati. coucou Annie et Ellie qui me dit top comme toujours, merci beaucoup Ellie, c'est adorable. Vous savez que j'ai vraiment hâte de reprendre le chemin de la scène, c'est vraiment quelque chose qui me manque énormément. Bon, alors on est un peu retardés tous dans nos projets, hein, dans tous nos projets par cette espèce de virus à la noix, mais on va le vaincre, c'est sûr, ensemble. Merci Kim, je t'embrasse fort. Et on va faire ça, quoi. On va faire un concert, c'est obligé. On va s'obliger à faire ça après. On va faire un concert de sortie, parce qu'on en a besoin. Et voilà, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais voilà, plus vous êtes là, plus vous me soutenez.
Et plus, ben évidemment, ça me donnera la force pour aller au bout. Donc merci d'abord, merci d'être là, c'est super. Merci, merci Babette, c'est gentil. Babette me dit merci pour cette interprétation. Coucou Laetitia. Ah, Egal qui me dit, mais c'est chouette de te retrouver après tant d'années. Et ouais, merci. On n'est pas si vieux que ça, Egal, quand même. Tu rigoles ou quoi? C'était l'année dernière. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va chanter maintenant? Ah, Elindy m'a préféré. Ah oui, alors j'avais fait une chanson que j'avais mis sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de vous en faire une autre version. Je vais la charger. En attendant, on peut discuter, hein, allez-y, hein. Venez, on parle. Venez, on parle pendant que je charge. Alors, tac. Hop là. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau pendant ce confinement? Ouais, on fera un petit coup tout à l'heure d'un homme ordinaire avec plaisir. Ah, Laetitia qui me dit Ophélie est toujours cachée quelque part, Ophélie. Ah, alors, Madame Irma, j'avoue que c'est un espèce de truc un petit peu à l'ancienne. Donc, je suis en train de bosser dessus. Je promets que je vais faire dans les... Voilà, j'ai pas l'intention de vous lâcher comme ça. Je vais faire monter les lives, vous inquiétez pas. Il y a Simon qui me dit du Macias. Écoute, Simon, pourquoi pas. De Macias, j'aime beaucoup Les gens du Nord. Je trouve que c'est une très, très belle chanson. Bah, il en a plein, il en a des terribles. Mais bon, bah, Macias fait mieux du Macias que moi, hein. Igal me dit capitaine. Ouais, je les ai fait la semaine dernière. Je ne sais pas si tu étais là, Igal. On t'écoute. Voilà ce qu'on fait de beau. Ouais, c'est super, Ellie. Merci. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il charge. Parce que c'est pas ça, mais on est là quand même pour essayer de chanter un petit peu. Tac. Voilà, je vais fermer ça parce que c'est terminé. Alors... Je crois que la chanson est chargée. La chanson était un peu satirique. De temps en temps, vous savez, on s'essaye dans des trucs un peu différents. Et j'ai essayé de faire une autre version de ce que j'avais fait. Je l'avais mis sur les réseaux sociaux, elle avait bien plu. Vous aviez bien réagi. Et là, j'ai eu envie de faire une autre petite version. La chanson s'appelle « Je vous trouve compliqué ». Voilà. C'est un monsieur qui c'est un peu la version de Aïe 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 comme je t'aime de Enrico Macias, mais version un peu plus moderne, un peu plus pop. Voilà. Alors, il faut que je m'en rappelle, hein, parce que je vous avoue qu'elle est toute récente dans ma tête, mais c'est pas grave, on va faire en sorte que ça le fasse bien, comme d'hab. Sinon, de toute façon, si je me trompe, vous m'aidez. Hein, au pire, vous m'aidez. C'est pas très grave. Quand je mets le monde à vos pieds, je vous surprends, vous délectez. Soudain je me vois condamné, prisonnier à perpétuité. Je vous trouve compliqué, indécise, torturée. Je vous trouve inconséquente, superficielle, suffisante. Je vous trouve mal lunée, même quand arrive l'été. Quand je mets le monde à vos pieds, je vous surprends, vous délectez. Soudain je me vois condamné, prisonnier à perpétuité. Je vous trouve dépassionné des débats de société. Je vous trouve souvent absente à sucer vos bonbons menthe. Je vous trouve surexcité, sauf folie en vérité. Dès lors je vous le dis en face, c'est un constat, c'est une menace. Si vous ne brisez pas la glace, je prends mes clics et je me casse. Je vous trouve sur le patio ou sur les réseaux sociaux. Je vous trouve à moitié nu à liker des inconnus. Je vous trouve inanimé, verre d'absinthe pétard mouillé. Quand je mets le monde à vos pieds, je vous surprends, vous délectez.
Soudain, je me vois condamné, prisonnier à perpétuité. Je vous trouvais compliqué, indécise, torturé. Je vous trouvais inconséquente, superficielle, suffisante. Je vous trouvais mal luné, même quand arrivait l'été. Je n'ai plus le monde à vos pieds. Ça vous surprend, je me suis taillé. Comme l'addition était salée, pour boire, j'ai repris ma liberté. Je ne mets plus le monde à vos pieds. Ça vous surprend, je me suis taillé. Comme l'addition était salée, pour boire, j'ai repris ma liberté. Alors, je vous trouve con. Je vous trouve compliqué. Le titre de cette chanson. Donc j'ai essayé de faire une petite version rapide. Un peu moins rapide que ce que j'avais fait sur les réseaux. Ouais, les paroles sont un petit peu acerbes, j'avoue. C'est un peu ma version de « tu te laisses aller, tu te laisses aller ». Ah, j'ai des bravos, merci, vous êtes au top. Merci de rester, vous êtes super. Ah, qu'est-ce que vous pensez de ces chansons? Je vous trouve compliqué, indécise, torturé. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vécu déjà, cette situation. Ah, il y a Tiffany qui me demande Ophélie. Ouais, on peut faire. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit like pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Allez, un petit pouce comme ça pour dire on est là, vous mettez un petit coup de like. Comme ça, hop, on remonte un peu dans le top 1000. Et hop, on passe des caps. Et alors, si vous faites un partage, alors là, c'est genre, on a gagné au loto, quoi. Alors, Mademoiselle France, je la prépare aussi, mais j'avoue qu'elle est à la guitare-pompe, alors il faut que je la travaille, quoi. Voilà. Moi, je suis en train de vous préparer pas mal de petites surprises. Hein. Laquelle, à Tiffany, me dit, c'est la chanson de ma vie. Ophélie, il y a moyen. Oui, il y a moyen. Bon, bien sûr qu'il y a moyen. Qu'est-ce que ça fait déjà, Ophélie? Alors, attendez. Laissez-moi regarder déjà, faut que je me rappelle, parce que Ophélie, quand on me dit c'est la chanson de ma vie, bon, c'est vrai que c'est difficile de refuser quelqu'un qui vous dit c'est la chanson de ma vie, quoi. Alors, voyons voir. Alors, Ophélie, qu'est-ce que ça fait déjà? Qui connaît les paroles d'Ophélie là en ligne? Parce que du coup, il faut me donner les paroles. Hein. Alors, excusez-moi, c'est le petit direct du live. Voilà, le petit réglage du live. Emmène-moi, protège-moi, dépêche-toi, rien n'est vrai ici. À quoi tu crois? Comment tu vois? Oh, parle-moi de ton paradis. Dans tous mes sens, il est immense, le doute qui s'est introduit. Et plus j'y pense, et moins j'avance. Je ne dors plus qu'un demi. J'ai consolé Ophélie, un peu dans mes bras, un peu dans mon lit. Je lui ai raconté ma vie. Au petit matin, nous sommes endormis. J'ai consolé Ophélie, un peu de tendresse dans ce monde en furie. Qui j'aime et pourquoi je suis. Et soudain le sommeil nous a envahis.
C'est quoi l'amour, la nuit, le jour? Pourquoi on court et on court toujours? T'es contre ou pour, cuir ou velours? Ça me rend sourd, tous ces longs discours. Dans tous mes sens, il est immense le doute qui s'est introduit. Et plus j'y pense, et moins j'avance. Je ne dors plus qu'un demi. J'ai consolé Ophélie, un peu dans mes bras, un peu dans mon lit. Je lui ai raconté ma vie. Au petit matin, nous nous sommes endormis. J'ai consolé Ophélie, un peu de tendresse dans ce monde en furie. Qui j'aime et pourquoi je suis. Et soudain le sommeil nous a envahis. Et voilà. Ophélie. Alors, est-ce que ça vous a plu, Ophélie? Je vous reprends. Hop là. Il y a des fans d'Ophélie? Ah! Oui, bah, pour le coup, femme, moi, je vais... Un homme ordinaire, on me demande. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Femme, oui, c'est vrai. Magnifique, me dit Tiffany. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, alors, il me dit, oui, il rappelle trop. Chez les parents de... Ouais, voilà. Alors, un homme ordinaire... Ah, Richard adore Ophélie. Moi, je te la présenterai si t'es sage un jour, Richard. Alors, merci Igal. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire celle qu'on m'a demandé? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je regarde. Voyons voir. Alors, je descends un peu le tempo parce qu'on m'a demandé une chanson. Alors, alors c'est là. Allez, tout le monde lève les mains. Si mon existence rime aujourd'hui à décadence, que je bois de vous tous les délices, toute la substance, contraint et forcé mon cœur posé sur la balance, ville votre indifférence. Je ne suis, c'est vrai, qu'un homme ordinaire. Dieu a mis en moi ténèbres et lumière pour le paradis, pour moi l'enfer. Allez, qui c'est qui connaît le deuxième couplet? On y va. La nuit me dessine, je vous dessine dans les étoiles. Vos courbes divines, je les imagine sous un voile. Si vous étiez mienne, je ne serais plus faible et plus vassal. Moi d'un empire fait ou d'un... Je ne suis, c'est vrai, qu'un homme ordinaire. Dieu a mis en moi ténèbres et lumière pour le paradis, pour moi non. La nourriture, non. Si vous étiez mienne, je ne serais plus faible
et plus vassal. Bois d'un empire fait d'un Voilà, c'était un petit extrait pour faire plaisir. Je préparais aussi des petits trucs avec celle-là, une petite version un peu plus punchy. Là, c'est vraiment en live pour se faire plaisir entre nous comme ça. Un homme ordinaire. Celle-là aussi, elle accompagne quand même pas mal mon histoire, j'avoue. Cette chanson-là, y a pas mal de gens qui me la demandent et souvent. Un homme ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter ? Hey, coucou Ilana, hello. Oh, merci Karine. Allez, Tim dit, je retrouve mon adolescence. Ça me fait vieillir, là. Je comprends pas. Comment ça attends, je comprends pas. Et Laetitia Lévy qui dit, je retrouve mon adolescence. Mais Laetitia, je comprends pas, on a 22 ans. Comment tu peux retrouver ton adolescence? Merci. Ah, il y a des fidèles à d'autres chansons. Oui, oh là là, il y en a. Oui, alors justement, là, je suis en train de. J'ai tout mon petit répertoire de chansons, mine de rien, au bout d'un moment, vous vous retournez, vous vous rendez compte que ça commence à faire pas mal de chansons. Et j'avoue que je dois effectivement. Ah, Fantomas. Oh, un petit extrait de Fantomas pour le plaisir, alors juste vraiment comme ça. On va dire à la main, comme ça, quoi. Alors. Fantomas, pour les adeptes du film, moi je suis un grand, grand fan hein, de Louis de Funès et de Jean Marais dans ce film-là qui est énorme. Et j'avais donc fait cette chanson. Et en fait, les gens ne le savent pas parce qu'ils m'ont connu après sur l'album. Mais c'est cette chanson-là qui a bien failli marcher très fort et qui est rentrée. Et malheureusement, on a eu des problèmes de droit. Et vous savez, les trucs après, quand ça rentre dans les trucs de droit et tout ça, c'est un peu le bazar. Mais la chanson est restée quand même. Une chanson qui parle de l'inspecteur et de ses aventures. Alors ça faisait. C'était un peu funky pour ceux qui se rappellent. Bon là je la fais version folk. C'est souvent quand arrive la nuit que venu de nulle part il surgit, vêtu de noir et masqué de gris. On ne lui connaît pas d'amis sous les traits d'un professeur de chimie, d'un journaliste, d'un non aussi. Il dupe et il vole et il pille. Car à ceux qui le croisent pour leur vie, Fantomas le plus rusé des bandits. Commissaire, vous frisez la folie. Fantomas est bien passé par ici. Commissaire, vous comptez ses délits. Il paraîtrait qu'on l'a attrapé dans une banque en train de cambrioler. Mais lorsque le rideau s'est levé, l'homme s'était déjà envolé. Fantomas, le plus rusé des bandits. Commissaire, vous frisez la folie. Fantomas est bien passé par ici. Commissaire, vous comptez ses délits. Vous comptez ses délits. Fantomas. Il y avait un petit côté comme ça, un peu thriller dans le rire de Fantomas qui était assez excellent. Voilà, c'était un petit extrait de Fantomas. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter maintenant? Quoi vous avez envie? Vous êtes toujours là ou quoi? Le truc, c'est que je veux faire le truc comme en concert. Vous êtes là et j'ai envie d'entendre. Ouais, mais il y a. C'est frustrant. Ah, merci Myriam, ok. Je préfère la version folk, Myriam, ok.
Oui, bah alors ça, j'aurais encore plus de mal à le faire, t'avoue. Mais je la ferai. Attention, ne me défie pas, égal, je la ferai. Alors, maintenant qu'on a fait venir Fantomas, tout est permis. Attendez, je vais regarder ce que je peux vous proposer comme petite chanson comme ça, là. Alors, allons-y, allons-y. On l'a fait, on l'a fait, on a. Oui, celle-ci aussi, on peut la faire. Parce que quand même, on est des romantiques à la base, nous. Hein? Au fond. Au fond. Hey. Et non, Myriam Naïf, c'est un truc un peu avec une basse et une guitare, et c'est très rythmique. Tout est possible, mais il faudrait que je prépare tout ça. Mais je ferai, promis. Oui, il faudrait que je me rappelle des accords, ouais, de femme pour nos anges et nos démons, femme pour nos caresses, nos déraisons. Faut que je me rappelle des accords. Mais je la ferai. Promis, je vais la faire, femme. Yes. Ouais, on peut rester dans le côté romantique aussi. Là, j'en ai une autre là, sous la main que je vais faire. Alors. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, il y en a une petite là qui peut venir de. Alors. Tac. Et voilou. Allez, c'est parti. Un jour tu t'en vas, tu me laisses planter là, qu'au milieu des ruines, on reste, ma gueule et moi. Nous le même amour, et de nos toujours, et non, et bien toi, je ne me relèverai pas. Comme ça, on ne me changera pas. Mais toi, tu connaissais le mode d'emploi. C'est le titre de la chanson pour ceux qui savent pas. Ne me raconte pas ça. Toi, t'avais pas le droit. Avant toi, j'avais perdu la foi. Mais toi, tu connaissais le mode d'emploi. Tu comprends pas que c'est arrivé comme ça, que tu l'as pas vu venir, mais que la vie prévient pas, qu'on peut rester amis, mais que l'amour c'est fini, que moi aussi demain je retrouverai quelqu'un. Je suis fait comme ça, on ne me changera pas. Mais toi, tu connaissais le mode d'emploi. Ne me raconte pas ça. Toi, t'avais pas le droit. Avant toi, j'avais perdu la foi. Mais toi, tu connaissais le mode d'emploi. Devant ma porte un matin, les yeux dans le lointain, et au milieu de mes ruines, tu m'as dit, je reviens, que dans ce monde de vautours, y a pas vraiment d'amour, que les gens sont des salauds et qu'il y a que moi qui te vaux. Je suis fait comme ça, on ne me changera pas, mais toi. Tu connaissais le mode d'emploi. Oh, ne me raconte pas ça. Toi, t'avais pas le droit. Avant toi, j'avais perdu la foi. Mais toi, tu connaissais le mode d'emploi. À vivre dans sa bulle. On en perd le recul, à mater son nombril, on se retrouve en exil. Tu ne me voyais pas,
pourtant j'étais là. Et le pire dans tout ça, c'est que tu me regretteras pas. C'est que tu me regretteras pas. Et voilà les amis, une petite chanson d'amour. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, Laura. Laura me dit, on dirait du Bruel. C'est vrai que cette chanson, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment pas voulu m'immiscer dans les chaussons de ce cher Patrick. Mais c'est vrai que, j'avoue moi-même, bon, bah, des fois, peut-être des influences. Écoutez, hein. Voilà, bon, bah, écoutez, je voulais vous faire d'énormes bises. Je vais vous préparer une petite surprise pour la semaine prochaine. Un truc, voilà, peut-être un truc un petit peu atypique. On va voir, je sais pas, je vais vous préparer ça. Bon, je vous mettrai un petit sondage et vous me direz ce que vous avez envie de chanter pour la semaine prochaine. Merci encore d'avoir été présents tous. Je vous embrasse. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Faites bien attention à vous. Soyez prudents. Et puis, n'hésitez pas à venir partager, liker, dire tout ce que vous aimez. Voilà. Richard me dit on réserve l'Olympia. Évidemment qu'on réserve l'Olympia. Ça, c'est aucun problème. Je suis sûr que vous serez tous là si je le fais. On peut faire plus funky aussi, Jérôme. J'ai des tendances plus funky aussi. Mais c'est vrai que j'avoue que je fais un peu plus funky quand j'ai des musiciens avec moi. C'est plus facile pour moi. Ah, on dit pas la surprise. Attention, on balance pas les surprises sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker, à partager. Si on n'est pas amis sur Insta, venez sur Insta. Likez-moi et venez écouter les titres sur SoundCloud. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des chansons. Ça m'aide à savoir quand voilà, il y a une chanson qui a carrément quelque chose et qu'il faut que je la porte un peu plus. N'hésitez pas à m'aider. Je vous embrasse très fort et je vais raccrocher. À la semaine prochaine. Ciao.